Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, j'ai perdu mon chocolat. Dépêche-toi, t'es toujours à la traîne. Et puis t'as toujours faim. Chocolat. Mais oh, où est le chocolat? Hé, tais-toi. Arrête, tais-toi, on va réveiller les parents. Ok. Chut. Non, c'est bon. Les parents dorment. Mais qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ça. Mais non, c'est à moi. Donne. Mais donne. Mais non, c'est à moi. Donne quand même. Mais non. Mais si. Mais non. De toute façon, il est nul ton livre. Mais n'importe quoi. Et d'abord, si tu savais lire, tu saurais qu'il y a une carte au trésor à l'intérieur. Et même que le trésor, il est caché dans le champ d'en face de chez nous. Un trésor? Un trésor? Est-ce que ça se mange? Mais... Non, mais t'es bête! Avec un trésor, tu peux t'acheter tous les chocolats que tu veux! Oui, cool! Un trésor? Un trésor! Fais voir! Fais voir! Oui, oui, attendez, je vous montre. De la bouffe! Mais y'a rien, c'est sûr, laissez tomber. Quand t'as pas vu, alors faut se taire! Ou peut-être dans un arbre! Alors, on va jusqu'à l'arbre qui nous fera signe pour après creuser un trou en dessous. Et il ne faudra pas toucher les racines. C'est compris? Oui. Mais du chocolat. Attendez-moi. Mais j'ai pas fini. Oh. Aïe. Oh. Oh toi, pourquoi tu m'as réveillé? Waouh! Et tu fais quoi là? T'es qui toi? Je creuse. On va t'aider. Hé, hey, t'es où toi? Allez les gars, on creuse! Allez les gars, on rentre! On a fini le travail ici! Et ben voilà! À cause de vous, on trouvera jamais le trésor! Et maintenant, je comprends plus rien à la carte! Moi, je les ai bien aimés, les génies nous ont aidés! Hé, elle est où Isabella? Ah ouais, mais ça, elle est où Isabella aussi? Isabella! 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 J'ai trouvé le trésor! J'arrive! Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Après 1000 anatomes, c'est comme ça qu'on est remercié. Allez Gérard, dépêche-toi, t'as ta salle de crise. Ça fait plus de 1000 ans qu'on avait réussi à rester tranquille sans entrer en contact avec les humains. C'est n'importe quoi. Qui a fait ça? C'est moi. Il m'a réveillé en me mettant un coup de pioche sur la tête. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Maintenant on est obligé de les aider tant qu'ils sont dans le champ. Mais on disparaîtra plus tard, et plus profond cette fois, pour qu'on ne soit plus jamais dérangé. Et regardez ce que j'ai trouvé, c'est le trésor, regardez ce que j'ai trouvé. Waouh! Qu'est-ce que c'est?
Je pense que... Je connais ça, c'est du chocolat, ça, ça se mange. Mais non, je sais ce que c'est des graines. Peut-être. Ce sont des graines qui vont pousser très très haut. Elles vont nous emmener très haut. Et c'est là où il y a le trésor. À mon commandement. Mais attendez-moi! Bah, qu'est-ce que tu fais? Ben, on s'aime. Bah viens, on va t'aider. Allez, tout le monde au boulot! Mais c'est nul ton truc. Normalement, ça devrait pousser au ciel. C'est Gus Gus qui a mangé la graine magique. Merci Gus Gus. Grâce à toi, on trouvera jamais le trésor. Mais c'est même pas moi. Ne mens pas, on sait que c'est toi. Mais c'est même pas moi, en plus j'ai faim. Vous m'accusez? Depuis tout à l'heure j'ai faim, j'ai mal. Je souffre. Et vous, vous m'accusez d'avoir mangé vos graines. Tenez, je vous les mange vos graines. Sont bonnes. Quoi? Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je mange. C'est super. On va t'aider. Allez, bon appétit. Bravo Gugus. À cause de toi, on ne pourrait jamais avoir notre trésor. Mais c'est ça, ouais, c'est même pas moi. C'est ça, oui. Oui. Oh! Hé, hey, stop! Ça suffit! Qu'est-ce qui se passe? Mais ça se voit pas, ils se battent. Super, on va les aider. Jenny, avec moi. On a terminé notre boulot, on va y aller. Et vous trouvez ça drôle? Écoute, ça va pas du tout. Il est 8h30, ils sont toujours pas rentrés, c'est pas normal. Bon, écoute, je vais aller en ville, toi tu vas au champ et on se retrouve là-bas. Ok. Les enfants! Qu'est-ce que vous avez fait? Plapla, réveille-toi! Les enfants! Papa! Tu fais? Je m'arrache les cheveux. Bah, on va t'aider. Maria! Non! Les enfants! Mais... Maria! Maria! Papa! Maman! Papa! Qu'est-ce qui se passe? Voir ses parents pleurer, c'est sa vie qui s'enfuit. Mon cœur veut leur chanter un hymne à la vie. Ben, qu'est-ce que tu fais? Mes parents sont malheureux, alors je chante. D'accord.
Alors, chantons. Voir ses parents pleurer, ses amis qui s'enfuient, nos cœurs de leur chanter, un du mal à vie. Mais qu'est-ce que vous avez à me crier dans les oreilles là? C'est pour consoler tes parents. Ah bah je vous aidais fort. Chantons tous ensemble, chantons. Mais consoler qui? Bah vous, nous, pour combattre le malheur. Ah ouais? Ah vous avez bien raison.